À peine intégré dans le pool des avocats de Kasori Fofana et compagnie, Mpol Yomba Kuruma prend son bâton de pèlerin pour défendre son client. Dans l'émission Mirador de ce vendredi 24 février 2023, l'avocat a affirmé qu'aucune raison ne justifie la détention de Kasori Fofana en prison. D'ailleurs, selon Mpol Yomba Kuruma, le pool des avocats ne compte pas aller au procès, mais plutôt engager tout le barreau, pour ne pas cautionner, dit-il, une parodie de justice. Nous allons demander au barreau, et ce sera le sens de la pétition qui va sortir, de baisser la garde. De tout arrêter, parce qu'il ne sert à rien de défendre si le résultat est connu. Mettre en exergue une entité sans laquelle il ne peut y avoir aucun jugement, je crois ça va attirer l'attention de la communauté nationale et internationale. Eux-mêmes sauront que le ministère de la Justice ne vaudra rien sans les acteurs qui l'animent, a annoncé l'avocat. Plus loin, Mpol Yomba Kuruma n'a pas mâché ses mots à l'encontre du procureur spécial près la CRIEF. Pour lui, Ali Touré serait à la solde des autorités de la transition. Ils n'ont qu'à faire de Kasori et de ses pairs ce qu'ils voudront, mais un procès équitable, juste, répondant aux normes nationales et internationales, ne sacrifiant pas nos valeurs. Ce pourquoi beaucoup sont morts ne répondra pas. C'est pourquoi, quand on parle du procureur spécial de la CRIEF, je me dis voici des magistrats de siège, eux, ils ont rendu leur décision. Ils ont rendu des ordonnances, disculpe carrément Monsieur Kasori. Mais le procureur, lui, obéit au prince. Il reçoit des ordres, ça ne se prouve même pas, ça se voit, a-t-il accusé.